En fait, je présente une expo sur l'Arctique. En l'occurrence, c'est un séjour que j'ai réalisé en 2010 sur l'île de Banks. C'est une île qui se trouve dans le haut Arctique canadien et où on peut voir, entre autres, les bœufs musqués et les loups arctiques, enfin, la possibilité de voir des loups arctiques. Et moi, j'ai eu l'opportunité de voir beaucoup de choses, puisqu'en restant un mois, j'ai vu également des lièvres, les lièvres arctiques, les renards polaires, les lagopèdes et les harfangs des neiges aussi. Donc, un beau panel de la faune du haut Arctique. Il y a deux sortes de photographes. Il y a les gens qui sont passionnés par la photo et qui s'intéressent un peu à la nature. Mais ici, en plus, il y a une rencontre avec les gens qui sont passionnés par la nature et qui ont besoin de faire d'excellentes photos de leur première passion. Et là, on rencontre aussi bien des professionnels que donc ces experts amateurs. Et le niveau technique, aussi bien en optique en boîtier aujourd'hui est utilisé aussi bien par une catégorie que l'autre catégorie. Tout le monde se rejoint sur du matériel extrêmement performant. Zone complètement incroyable de l'Afrique. On est sur le bassin de l'humanité aussi, toute cette plaine d'Abyssinie. Et c'est gros, c'est une espèce de haut plateau là qui culmine et qui du coup révèle une nature complètement insoupçonnée. Quoi, hein. Que ce soit les loups, ces fameux loups qui sont que là, que ce soit tous ces rapaces, les gibbettes, les singes lions, que ce soit les nyalas, c'est-à-dire cette antilope très rare. Donc c'est plein d'endémismes. Essayer de dire, aller piocher, essayer de poser un peu le regard sur des petits instants qui, moi, me touchent. C'est vrai que la silhouette d'un loup en train de partir avec un ciel plombé, il n'y a pas énormément de mouvement, mais c'est une image, en tout cas, qui me reste de là-bas, de ces hauts plateaux.